qu'est-ce que nous avons suspendu les cours parce que dès 7h30 quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par une odeur vraiment nauséabonde et on ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas supporter. Alors nous sommes concertés, on s'est dit que devant cette situation, il faut qu'on essaie d'alerter la population par rapport à ça. Parce que nous l'avons tout le temps fait. C'est-à-dire à chaque fois, quand il y a ces problèmes-là, on alerte les cohabitants. Bon, cohabitants, ça veut dire. Alors, par rapport à cette situation, mais je crois que vous avez vu ce qui se passe là-bas. Et toute la cour avait une odeur vraiment. Et je crois que ça nuit à la santé de des enfants. Alors c'est pourquoi on a dit, nous allons suspendre pour pouvoir alerter encore une fois de plus ces parents-là par rapport à cette situation. La fois passée, on avait dégagé au niveau du portail, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Et non seulement ça, regardez tout autour, un garage et tout. Et c'est un danger pour l'école. C'est un danger. Parce qu'à chaque récréation, vous voyez les enfants monter au-dessus des trucs. Et nous sommes obligés de monter la garde pour empêcher ces enfants-là de monter sur les conteneurs. Vous voyez, c'est un danger vraiment. De nous venir en aide parce qu'en réalité, nous ne faisons que sensibiliser. Mais il appartient maintenant aux autorités de prendre des dispositions pour pouvoir nous venir en aide.